salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 37 de notre incroyable aventure sur The Last of Us 2. Comme d'habitude, prévoyez un casque ou des écouteurs, éteignez les lumières, un petit truc à boire et à manger, pourquoi pas. On se retrouve une bonne demi-heure ensemble et j'ai la voix un petit peu cassée entre les soirées, la reprise de GTRP où bah forcément j'ai une voix enroulé, je vous cache pas que là mes cordes vocales n'en peuvent plus, je peux les comprendre. Direction la suite de notre aventure, on est reparti en flashback, je suis avec Abby et on était jour 2 à la sortie de l'hôpital. On avait d'ailleurs affronté un boss qui était quand même assez insane, donc là on va revivre encore et encore le même schéma je pense. Pas vraiment le même. Allez, Seattle, jour 3, le dernier jour avant d'aller à la rencontre d'Ellie. Et ça va clairement swinguer parce que vous savez ce qui s'est passé du point de vue d'Ellie. Même si t'y arrives, elle voudra jamais venir avec toi. Je réussirai à la convaincre. Lev, on a enfreint les règles. Owen. Y'a que moi. Qu'est-ce que tu fais debout? Je changeais les pansements de Yara. J'en reviens pas qu'elle soit sur pied. Normal. Les scars sont des durs. Pourquoi ils s'engueulent? Lev veut rester à Seattle. Owen leur a proposé d'aller à Santa Barbara. Ça, c'est tout, Owen. Je pensais que tu réussirais à le convaincre de pas y aller. En fait, je pars avec eux. Je ne veux plus te voir. Il a peut-être gobé ton numéro avec les gosses. Mais moi, non. Tu crois que je fais semblant? La meilleure tueuse d'Isaac qui s'en tige de deux scars? Rien à voir avec Owen? Pas vrai? J'ai fait des erreurs, je le reconnais. T'es une ordure, Abby! Tu l'as toujours été. J'en ai marre de toi. Tu veux les aider, ces gosses? Dégage de leur vie avant de la foutre en l'air. Abby. Chouette t-shirt. Est-ce que ça va? Ça va, ton bras? Bah, c'est déjà mieux que ce matin. Lev s'est calmé. Ça ira. Oh. Tu veux bien m'aider à le chercher? Il était très énervé. Bien sûr. Il est parti par là. Ok, bon. Ça sent pas très bon. Par contre, c'est la première fois qu'on voit Abby pleurer, finalement, avoir des sentiments,
Et ça fait que c'est Lev. Plutôt intéressant. Ok, donc là on cherche Lev, le petit frère, il est parti où là? Lev, il a deux doigts de me reviens, faire rire s'il aussi. Te plaît. Je vais découvrir une nouvelle pièce encore de l'aquarium qu'on n'a jamais découverte. Pourquoi Lev veut pas aller à Santa Barbara? Il s'inquiète pour notre mère. Il a peur de ce qui pourrait lui arriver à cause de nous. Et il a raison de s'inquiéter? Il devrait d'abord s'inquiéter de sa propre sécurité. Ah, il aime sa maman aussi, c'est normal, c'est Qu'est-ce qui pourrait arriver de mal à votre mère? Il arrive que les parents soient tenus responsables des péchés de leurs enfants. Mais notre mère suit les règles. Tout ira bien pour elle. Il y aurait moyen de faire quelque chose. Pour l'aider? Il ne pourra pas la convaincre de partir. Personne ne le peut. Et j'ai peur de ce qu'elle pourrait faire à Lev. Lev! Lev! Je suis désolée! Lev! Tiens, je me demande s'il a vu ça. Il adore les requins. Il adore les requins, mais il déteste l'océan. Vous avez beaucoup discuté, on dirait. Il faut croire que ça rapproche d'échapper de peu à la mort. Il a dit que t'avais été courageuse. Il a dit ça pour être gentil. Tu as entendu? Lev! Lev! On est parti faire le débile ou quoi? Qu'est-ce qui se passe là-haut? Allez, rentre les abdos là, Abby. Lev. Oh. Oh putain, le n'aie pas peur. Con. Tout va bien, elle veut jouer. Ça va, ma sœur? Salut, ma belle. Eh ouais, t'as trouvé quoi? Elle te fera pas mal. Tiens, regarde. Allez. Dégage, je peux voir. Va chercher, ma belle. J'ai l'impression qu'elle veut que tu le relances. D'accord, encore une fois. Il doit y avoir un bail oui, ou quoi? Rapide. Attends, j'ai mes armes? Non, mais on va pas faire ça toute la journée, hein. Allez, à toi. Tu veux essayer? Je crois pas que ce soit une bonne idée. Elle ne va pas me mordre, hein? Non. De toute façon, il te reste plus qu'un bras, j'ai envie de te dire. T'es safe à 50% quand même. Par contre, on lui a donné ton morceau de bras à manger. Et ça, ça fait plaisir. Je peux recommencer? Je crois qu'elle demande que ça. Bon, les gars, va là-haut, là. On peut peut-être partir, non? On devrait continuer de le chercher. Bah ouais, quand même. Le seul truc qui me fait déjà peur, c'est que le chien va sûrement mourir dans l'atroce souffrance. Et j'en ai déjà mal. J'en ai déjà mal, je vous le dis. Les animaux, c'est sacré, les amis. Lev! Pourquoi il fait ça? Je me demandais, tu crois qu'il pourrait convaincre ta mère? Si elle le voyait comme ça, elle lui sauterait dessus pour l'étrangler. Qu'est-ce qu'il t'a raconté? Pas grand-chose. J'ai entendu les vôtres l'appeler... Lily. Pendant longtemps... Je n'ai pas compris pourquoi il remettait en cause nos lois, nos traditions. Quand il m'a expliqué ce qu'il ressentait au fond de lui, je lui ai dit qu'il ne devait en parler à personne. J'espérais que c'était seulement passager.
Il a eu l'air d'aller bien après ça. Puis il s'est rasé le crâne. Comme le font les hommes. C'était du suicide. C'est là que vous êtes partie. D'abord, je lui ai crié dessus. Je l'ai frappé. J'étais une imbécile. Hey, j'ai une idée. On va trouver un cadeau pour Lev. Allez. C'est vraiment stylé parce qu'on en apprend quand même. Qu'est-ce qui l'a poussé à faire ? Beaucoup plus sur le fonctionnement d'Escar aussi. Se raser la tête. Le jeu est vraiment gourmand. La semaine dernière, on lui a attribué son rôle au sein de la communauté. C'est incroyable, je trouve. Il voulait devenir un soldat comme moi, mais ils ont décidé de le marier à l'un des anciens. C'est la tradition. Pauvre gamin. Le marier à un ancien, what the fuck ? C'est où Santa Barbara ? C'est en Californie. Et la Californie, c'est où ? Luba. Je vais te montrer. Là, c'est Seattle. Et là, Santa Barbara. Et notre île ? On la voit pas, mais elle est par ici. C'est tellement loin. Ouais. Tant mieux. Santa Barbara. Ok, peut-être un The Last of Us 3 là-haut, qui sait ? On fait quoi ? On saute là ? Vous croyez ? Trop stylé le... Comment on appelle ça ? La pieuvre, mais... Vous savez, la pieuvre dans les légendes, là. Enfin, le calamar. Bordel, bon, c'est pas un calamar, c'est une pieuvre, mais... Le Kraken, voilà, le Kraken. Tiens, on va passer par ici. Bon, faut lui acheter ses concours du t-shirt le plus ridicule. Oh, la baleine avec le petit sourire. On peut trouver mieux que ces t-shirts. Non. Gardez. Et moi, tu m'achètes ça, je suis refait. Elle a franchement le petit sourire des familles. Ok. On va passer par là. Bonjour. Hop, je regardais si dans le bec il n'y avait pas quelque chose. Ça, c'est mignon. T'as trouvé quelque chose ? Non. Continue à chercher. Ouais, mais là, faut que tu fasses un effort, ma soeur. Parce que si je suis toute seule, ça va pas le faire. Hein. Faut alors m'aider à trouver ton cadeau, là, pour ton frère de mort. Qu'est-ce qu'on a là ? Il aime les requins, je suppose que ça va être un requin. Oh, bah oui, mais... On l'a, le cadeau. Oh, les gars, il y a même encore l'étiquette. Ça, c'est de l'officiel, ça. Et ça, t'en dis quoi ? Ça vient de la rue. C'est parfait. Mais elle a tort, tu sais. T'es quelqu'un de bien. Tu me connais pas. J'en sais assez. Abby, tu pourrais arrêter de piquer mes affaires, s'il te plaît. Désolé, je savais pas que tout dans l'aquarium t'appartenait. Bah c'est mon aquarium. Mes affaires. Je rigole. Tu prends ce que tu veux. Et toi, non. Est-ce que tu as vu Lev ? Oui. Dans le couloir, là-bas. Ok. Je peux te parler. Je te rejoins. D'accord. Elle comprend pas mon humour. Je suis nul avec les gosses. C'est clair. Mais t'aimes bien, toi. Alors, tu viens à Santa Barbara, hein ? Je peux pas. Pourquoi ? Tu sais pourquoi.
trouvera une solution. C'est trop tard. Non, pas du tout. Écoute, je sais. Je sais que c'est le bordel. Je sais. Mais on peut être ensemble. Happy. On peut être heureux. Entendu. Lev ! Reviens ici ! Lev ! Qu'est-ce qu'il fait ? Il veut la retrouver. Qui ça ? Sa mère. Elle va le tuer, Abby. Le bateau est prêt ? Pas encore. Dans combien de temps ? Quelques heures. Merde. On va le rattraper. On prend un bateau à la marina. Hé, elle vient de se faire opérer. Je vais bien. Elle doit m'aider à le retrouver. Je viens aussi. Owen ! C'est dangereux, là-haut. Oui, justement. Je vais pas la laisser y aller seule. Tu restes ici. Je peux t'aider. Ouais, en commençant par réparer ce putain de bateau. Reste là où t'es plus utile. Yara, on y va. Voilà la marina. Tu te sens bien ? Ça va. Ok. Allez, on est parti. Un des derniers périples. Nous sommes le jour 3. Vous savez très très bien ce qui va se passer. Le jour 3, ou en tout cas la fin de ce jour 3. Donc, on est parti. On va rattraper Lev. Comme je disais tout à l'heure, le jeu est ultra gourmand, mais on en parlera dans le tout dernier épisode. Pour vous donner un avis là-dessus, c'est trop loin, oui, là c'est problématique. Et, mais quel plaisir, franchement, il y a des histoires, il y a des backgrounds taffés à mort, et ça, c'est méga méga cool. Viens. On en sait beaucoup sur les stars, leur fonctionnement, on en sait beaucoup sur le côté... qui a fait du mal à Joël, mine de rien, même si on pardonne, toujours pas, même à l'épisode 37. Et on se rend compte, là, on sait ce que va perdre Abby, hein. On le savait il y a 15 épisodes de cela, c'est-à-dire Owen et Mel instantanément, ainsi que le bébé, et comment on sait que c'est horrible, on peut comprendre Abby. Mais c'est ce qu'a entraîné Abby qui a créé une sorte de boucle sans fin, bien évidemment. Et un aller simple pour l'enfer. Si elle avait pas tué Joël, juste par vengeance, Ellie n'aurait pas tué ses amis, juste par vengeance. Et elle aurait pas fait de dinguerie, juste par vengeance, etc., etc. Bon, en même temps, on va tout prendre parce que là il y a beaucoup de trucs. Hop, voilà. On sort d'un boss, donc niveau stuff, c'est un peu craignos. Quoi que j'ai quand même le lance-flamme en veille, c'est ok. Qu'est-ce qu'on va prendre ? Bah, il y a un problème. Bah, what the fuck ? Ok, c'est bugué. C'est bugué, je sais pas comment. Je peux pas sélectionner. Ouais, désolé, ça m'énerve. Quand ça m'énerve, je tape dans des vitres. Je vous l'ai déjà dit. Je peux pas sélectionner d'armes. Ça, c'est très embêtant par contre. C'est très 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 embêtant. On pourrait aller à la marina. On a qu'à... Là ça marche. Faire le tour. Là ça marche, c'est bon. Ok, et là... On va partir là-dessus, ça me paraît pas mal du tout. Bon ! On va faire le tour. Je suis dégoûté d'avoir perdu ma voix. Alors pour tout vous dire, on a repris GTRP avec une saison 4 fantastique. Et pendant des heures, je maintiens une voix grave rauque. Qui va tourner dans le grave. Et ça m'a un petit peu endommagé les cordes vocales. En plus de cela, forcément c'est l'été, il fait chaud, il y a des anniversaires, des petites soirées, ouais, tu connais, tu vois, c'est rien, c'est la rue comme on dit. Et rester jusqu'à 2h du matin, bah dehors, malgré qu'il fasse chaud,
Ça anime un petit peu. D'ailleurs, racontez-moi votre week-end. Dites-moi un petit peu ce que vous avez fait si vous regardez cette vidéo quelques années ou quelques semaines en retard. Bah, racontez quand même votre week-end. Peut-être que vous avez fait des trucs totalement dingos. Et j'aimerais le savoir. On va récupérer tout cela. Vous avez forcément vécu un week-end totalement fou. En plus, il commence à faire très très chaud partout en France. Et c'est plaisant. Pensez à vous hydrater, c'est très important. Bougez pas. Donc j'arrive à trouver mon point de repère. Normalement, c'est par ici. Ok, d'accord. Ça m'a laissé un peu pour l'enfant en fait ici, c'est quoi? Ouais, non, de toute façon, je peux pas traverser ça. Ouais, peut-être. Non. En nageant, peut-être, je ne sais pas. Abby! Ah putain, il a trouvé. Par ici! Ah ouais, mais bien joué à toi, je pensais que ça faisait le tour. Alors, dès qu'on met un pied à terre, on va directement aller chercher. Ouais, c'est pas mal, ça y est. On a des silencieux qui durent beaucoup plus longtemps, c'est ce qu'on voulait. Allez, vas-y, pousse-toi, ma grande. Attends, je m'en occupe. Laisse faire Schwarzenegger, comme on dit dans le milieu. Allez, c'est bon, vas-y. Alors, les égouts, ça va être très très chiant d'office. Ok, cul-de-sac. Qu'est-ce qu'on a là? On peut passer par là. Viens. Qu'est-ce qu'on a là? Tout ça pour prendre un autre bateau, mais il a pu aller où? Je comprends pas. Ah putain, ok, d'accord, j'ai mon idée. En fait, il est parti rejoindre sa mère. Donc on va devoir enculer du Scar. Ça va être très problématique. Allez, on y va. Vas-y. Yara. On va aller fouiller à gauche et à droite. Bon, Sugoi, on a des petits trucs, mais rien d'intéressant. Qu'est-ce qu'on a là? On peut monter, merde, je voulais pas monter. On me dit, il y avait peut-être une pièce en bas, non? Je sais pas. Reste sur le ponton. Oh, ça calage des darons. Je prends un bateau et je te récupère. Ça va être compliqué. Non, ça, je ne peux pas cette fois. Je m'en charge, ok? Ok. Oh, le piège, ça a enclenché une cinématique, ça se trouve, il y avait une pièce à gauche. Alors, regardez-moi ça. Regardez-moi ça, putain. Heureusement qu'on a pu faire demi-tour. Hein. Sinon, je sais pas, je serais fâché. Ok, ça prend ça. Ah ouais, ça, ça régale de ouf en plus. Ça, on n'a rien. Ça, on ouvre, comme ça, c'est fait. Ça, on prend. C'est des bonnes petites pilules. Ok, c'est qui a joué au pendu? Anati, ouais. Vicky, sois prudente. Mon bateau a essuyé deux fois des tirs aujourd'hui. Je te conseillerais bien d'emmener le chalutier plus au large. La houle est forte et tu risques de rendre plusieurs fois ton déjeuner. Mais c'est mieux que de se faire buter par un sniper Scar. Il faudrait se battre pour récupérer les closeries. On cherche les ennuis, à s'aventurer aussi loin en territoire des Scar. Isaac a perdu la boule ou quoi? Peut-être qu'à la fin de ce service, on devrait demander à se faire réaffecter, plutôt éplucher toutes les patates du monde, plutôt que de me retrouver à nouveau coincé ici. Je t'en prie, fais attention, on se revoit au bercail. Kent! D'accord. Tu te doutes bien que le Kent, il est mort dans d'atroces souffrances. Il n'y a pas une petite pièce, non? Dommage. Bon, on a quand même eu un petit truc à lire. Ouais, attends-moi ici, hein, miskin. Hein. Ok. Ça va se mouiller là-haut. Vous savez. Ça reprend. Ça
C'est magnifique. C'est magnifique. Ah, attention, c'est par là. Bon. N'oubliez pas que... qui dit végétation, vu qu'ils sont pas fans de technologie, dit qu'on va rentrer un petit peu en territoire d'Escar. Ça va siffler de tous les côtés. Ah, je suis kéblo. Qu'est-ce qui se passe, Kétré? Non, mais je suis un trou de balle. Fesse-toi! Ah, oui. Le pourquoi con t'es là? Manny? T'es venu seul? Ouais. Merde. Ce sniper, c'est un putain de pro. Qu'est-ce que tu fais dans le coin? Les canons. On devait attaquer l'île cette nuit. Et ce pendejo s'est pointé. J'ai envoyé un gars chercher de l'aide. Les renforts vont arriver. Enfin, j'espère. Il me faut un de ces canaux. Maintenant! Pourquoi? Plus tard, les questions. Dans ce cas, il va falloir que tu m'aides à descendre. On y va. Bon. Ok, ils ont envoyé American Sniper sur nos côtes. Planque-toi! Ah ouais, il rigole zéro. C'était pas buté toute mon équipe. Par ici. Si. Vite! T'inquiète, on va le choper. Ok. Et grave ce qu'il est la phase. Grave ce qu'il est la phase. Waouh! Calme. Bien. Allez, j'y vais. Ok, on passe au dessous, bébé. Merde. Et maintenant? Viens. Retiens ta respiration, cowboy. Ah putain, il tente tout à travers, hein. Le boss de ouf, en vrai, hein. Le boss de ouf. Ah, excusez-moi. Excusez-moi, monsieur Damon. Attends, c'est la lumière? Ok, c'est la lumière. Ok, c'est la lumière, le sniper. Évidemment, on peut pas continuer par la rue. Viens, on va dans le garage. On peut se servir de ça. Vas-y, je te suis. Allez. Attends, frérot, tu suis quoi? Ah, trop bien. Ok. Trop bien. Là, on va couper, décaler. Chariot tombe en morceaux! Faut y aller! Bon, par contre, une balle de sniper arrêtée par un petit chariot. Allez. C'est pas fou! Sans décoller. C'est ces intrus qu'il faudrait attaquer. Pas ces putains d'îles. Quoi, l'assaut est maintenu? Peut-être même qu'il a déjà été lancé. Ah oui, Manny. C'est vrai qu'il devait y avoir l'assaut de l'île sur les SCAR. Ah mais quel enfer. Ouais, mais là on est face à une guerre terrible. Non, je voulais plier derrière. Non, ça m'a laissé un peu comme faire à chaque fois ici. Oh non. Bon. Bordel. Merde. Il les attire vers nous. Prépare-toi. Ok. On va pas se préparer parce que je crois qu'on va s'arrêter là. Ami! Faut qu'on aille sur le pont! Ok. Bon, on va sur le pont pour être tranquille. Allez, avance, Kero. Ouais, quel enfer! Ok. On est bon. Vous savez quoi, les amis? On va s'arrêter là. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. Je vous dis à demain pour l'épisode 38. Désolé si vous n'avez pas eu d'épisode hier, mais vous savez que la 4K, c'est très gourmand et très compliqué à rendre. Vraiment navré du fond du cœur. Je vais essayer de me rattraper dans les jours qui viennent. À demain, tout le monde. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Ciao, ciao.